l'objectif et le principe du jeu général, ça va être en fait de traverser 6 mois de pandémie en incarnant un personnage qui va essayer de préserver son moral, sa santé et son porte-monnaie. Donc l'esprit, c'est un petit peu de reprendre le contrôle sur la pandémie. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez, grâce à des cartes actions, pouvoir en fait déterminer l'action que vous aimeriez réaliser la semaine suivante. Et à chaque tour, qui correspond à une semaine, on va retourner une carte gouvernement qui va vous permettre de savoir si cette action est réalisable ou non. Donc en fait, quelque chose de très similaire à ce qu'on connaît tous. Et donc en fait, ces trois aspects, argent, morale et santé, vont être représentés sur un plateau, c'est un jeu de plateau, grâce à trois grandes jauges, morale, santé et argent. Et le but, ça va bien sûr être de remplir ces jauges au maximum. Et à la fin de la partie, on va compter les points et voir qui c'est qui s'en est le mieux sorti en fait pendant ces 6 mois. Donc du coup, ici, vous voyez les points que ça rapporte, et en l'occurrence, c'est que du négatif. C'est-à-dire d'ouvrir un bar ou un restaurant, c'est moins 3 argent, moins 2 morale, puisque c'est pas forcément la bonne période. Mais en fait, cette carte, vous avez un intitulé juste en dessous qui vous permet soit de la jouer, ça peut être un choix, soit de la donner à un autre joueur qui sera obligé de la jouer au prochain tour. Donc c'est ce genre de carte un petit peu dans un esprit de compétition où on peut un petit peu bloquer les autres et les désavantager sur leur jeu. Celle-là que j'aime bien aussi, c'est « Je dénonce mes voisins qui ne respectent jamais les restrictions annoncées ». Et donc du coup, le joueur de votre choix perd un point sur ses jauges argent et morale. Donc il y a plein de petites choses en fait comme ça qui permettent quand même de garder quelque chose de très interactif et où on peut vraiment partager et avoir quelque chose de vivant et d'animé. Le but, c'était un petit peu de retranscrire des choses qu'on a vécues. Donc oui, ça peut être des aspects négatifs qu'on tourne un petit peu en dérision, mais ça peut être aussi des situations un petit peu rocambolesques ou... auquel on pensait pas être confronté un jour. Donc ça peut être l'exemple de la pénurie de pâtes ou de papier toilette au supermarché. Le but en fait, ce n'est pas vraiment et pas du tout de nier les aspects négatifs du Covid, de la pandémie. Le but, c'est juste de changer un petit peu notre perspective et d'essayer de se recentrer sur quelque chose de plus positif, de sortir un petit peu de ce climat anxiogène et très, très négatif et un petit peu déprimant, on va pas se mentir. Et de se recentrer sur, ok, qu'est-ce qu'on peut retirer de bon dans tout ça, qu'est-ce que ça nous a appris, comment on peut avancer avec tout ça. Donc c'est vraiment ça le message derrière.